Hello, hello. Bon, vous me voyez pas trop parce que il est tôt. Ce matin, je suis partie un petit peu en retard, tout simplement parce que j'avais envie de tester un rouge à lèvres Kiko. Ok. Enfin, l'espèce de feutre à lèvres. Sauf que j'avais mis un peu beaucoup de baume à lèvres avant, du coup, il faut que je reteste encore un peu mieux que ça. Voilà. Du coup, je suis partie 5 minutes en retard, mais 5 minutes. Finalement, je suis pas si en retard que ça. J'ai trop mal ouvragé le sac. Là-dedans, il y a tous les colis des gagnantes. Il faut absolument que j'aille le poster Stap. Et le truc, c'est que la poste, elle ouvre entre. Elle ouvre. Justement, elle ferme entre midi et deux. Donc, il faut pas que je loupe. Parce que sinon, je dois me balader avec ça jusqu'à plus de 14h, quoi. Super. Donc, voilà, allez, go. Je vais prendre un autre chemin que d'habitude. On verra si ça va mieux. Voilà, voilà. Mon sac qui s'en va. Le bus. Donc j'ai terminé. Faut que je passe à la poste. Elle ferme dans 20 minutes. C'est très chaud. Très très chaud. Parce que je pense qu'il me balader avec ces colis qui sont super lourds. Merci les voitures. Et ça va, il fait assez beau. Enfin, il y a un peu de soleil quoi. C'est pas encore le temps de fou, mais. C'est déjà mieux que la pluie ou le vent. Non mais mires mas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais mires mas. Beaucoup, donc là je vais bientôt reprendre. Donc à midi, j'ai mangé un burger et tout. Je suis allée poster mes colis, ça m'a coûté genre 50 euros. J'ai acheté des timbres, j'en ai acheté 40. C'était quasi 40 euros quoi. J'ai l'impression qu'il commence à pleuvoir, j'ai des petites gouttes. Et du coup, je suis allée acheter des lettres aussi en passant. J'ai acheté du chewing-gum et la Garnier verte. En gros, c'est comme la Bioderma verte et une mini rose. Et voilà, des chewing-gum et des enveloppes. Voilà. Du coup, les premières lettres que j'ai reçues, donc pas que celles que j'ai reçues hier, mais des autres, j'ai tout répondu, posté. Enfin, il m'en reste deux à poster parce que j'avais plus d'enveloppes. Du coup, bah, je viens de les écrire. Du coup, je vais les poster genre. C'est la voiture? Genre ce soir. Donc voilà, s'il commence à pleuvoir, je vais peut-être bientôt rentrer, aller me changer. Faut que je passe aux toilettes et tout. Et voilà, j'ai faim en fait. J'aurais dû me prendre un petit truc à goûter parce que. Faut tenir jusqu'à 20h. Enfin, 19h30, mais le temps que je rentre chez moi quoi. Donc voilà, bisous. Coucou, coucou. Donc je viens de sortir, il pleut. Et je suis sortie par une sortie et la nuit, les portes sont fermées, je sais pas comment partir. Enfin, je suis dehors en fait. Et voilà. Je crois que j'ai trouvé, je crois que je peux rentrer avec le code ici. Ouverture de la porte. Yes. Bon bah j'arrive pas à retrouver mon parapluie, en même temps il y a trop de choses dans mon sac, mais vu tout ce qu'il y a, je pense qu'il n'y a même pas la place de le mettre, donc je pense qu'il est pas là. Je vais me dépêcher, genre c'est un peu brumisateur, mais du coup ça mouille bien. En plus, il y a mes enveloppes qui sont moitié fermées. Tout ça. Il y a mon ordi que j'essaie de refermer. Et j'ai encore cette grosse côte à monter, même si on voit pas grand chose. On voit pas que c'est une côte, mais moi je vous le dis que c'en est une. Je peux même pas courir ou quoi. Parce qu'en fait, il y a un bout, un petit bout, la moitié de la côte, c'est des escaliers. Et après, non. Donc genre si un jour de neige je viendrai pas ici parce que c'est le bon truc pour tomber ça. Donc voilà, encore une journée cool. Voilà voilà, comme d'hab quoi. Et je me suis pris une. Attendez. Une facile de SHA, donc de trucs désinfectants. Parce que la infirmière, on avait le chariot. Elle l'a fait tomber sur la pression, ça m'a. Voilà, c'était super. Bon par contre il commence à pleuvoir un peu beaucoup là. J'ai faim, je suis fatiguée. On va me dire ah tu te plains. Mais bon, ça me brumise la tête. Pas besoin d'être arrosée.
En plus, il y avait du soleil aujourd'hui. Je m'étais dit, c'est bon, tranquille, il va faire beau. Et ben, voilà, de la pluie. Encore une fois, où est-ce que je suis garée? Je perds la boule. Heureusement qu'il y a le porte-vélo derrière la voiture. Je la reconnais un peu, mais là... Oh, je crois que c'est là-bas. Non, je suis pas sûre. Parce qu'en plus, avec mes yeux de myopie, là... Mais déjà qu'il pleut. Oh si, j'ai vu. Il pleut, en plus, faut que je perde la voiture, bien sûr. Enfin, perdre. Ne plus me souvenir où je suis garée. Faudrait que je m'achète une tête un jour. Peut-être. Hein. Allez, au chaud. Bon, pas grand-chose. Et je voulais passer parce qu'il y a une... petit truc pour poster les lettres dans mon village, mais du coup, comme vu le temps, ça attendra demain, je pense, parce que voilà, hein. Quoique, je sais pas, on verra. Mais à tous les coups, une fois que je vais arriver, je vais oublier parce que je suis comme ça, voilà, c'est tout. Bon, allez, on rentre. Et comme je vous avais dit, j'ai oublié les lettres complètement. Je suis passée devant. Bon, là, en fait, j'ai fait chauffer mon assiette, c'est froid. Oh non, je vais retourner chauffer, ça m'énerve. Déjà hier, j'ai fait chauffer, je pose sur ma chambre. Sur ma chambre. Dans mon lit, et puis c'est froid parce que je suis allée faire autre chose et tout. Est-ce que mon épisode de Pretty Little Liars charge parce qu'il est sorti hier? Voilà, c'est bon, il charge. Je vais réchauffer mon assiette et je vais manger devant Pretty Little Liars. Donc le... épisode de 16 de la saison 6. J'étais en train de mettre... Y a même pas de sous-titres dans l'épisode que je viens de charger. Pourtant il y a écrit anglais sous-titre français. Les gars, je veux dire, oui, je me suis démaquillée le visage. J'ai plein de petits boutons là qui font mal en fait. Ah. Bref, je sais pas d'où ils viennent. En plus c'est que genre vers le bas. Chelou. Puis j'ai eu des tout minuscules boutons sur le front. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas eu, quoi. Je comprends pas trop. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces saletés de boutons? N'importe quoi, Emma. Donc voilà, allez hop, je mange. C'est des pâtes au thon. J'ai une faim de loup-garou. Ciao. Ciao. Pris une orange, j'aime bien les oranges. Ça me saoule toujours de les éplucher. Oh, les cheveux, quelqu'un aurait des fesses. Bref. J'espère qu'elle est bonne au moins, parce que bon. Je suis envie de tout dans mon pull. Mon épisode, je regardais un petit bout de Periscope de Chloé avec sa maman. Elle me fait trop rire, sa maman. Enfin, je sais pas, sa voix. On dirait pas. La première fois que je l'avais entendue, parce que j'avais déjà entendu, je sais plus dans quoi. Dans une de ses vidéos. J'avais pas cru que c'était sa maman. Bref, du coup, je vous laisse. Je vais monter ce vlog pour le publier. D'ailleurs, celui d'hier. J'ai oublié de faire le truc enregistrer les modifications, ce qui fait que je l'ai posté en rentrant ce soir. Et qu'il n'était pas posté à 10h comme d'hab. Mais bon, c'est pas très très grave. Celui-ci, du coup, je vais le poster peut-être un peu plus tard. Genre. On va le mettre, allez, à 14h. Parce que si je mets l'autre à 10h, ils vont regarder le nouveau et pas l'ancien qui est à 20h si jamais ils l'ont pas vu. Enfin bref. Voilà. Je vais aller dormir parce que je suis crevée hier. Je voulais me coucher tôt. Et puis au final, pas du tout. Je me suis vraiment pas couchée tôt. Quand je vous ai dit je vais aller me coucher, mais en fait je suis restée au moins une ou deux heures encore après. Donc voilà. Dodo, bisous.